L'autre jour, j'ai vendu ma mère. C'était au libre marché des Saint-Sauveurs. J'ai préféré m'en charger moi-même, plutôt que d'en confier le soin à l'un des grands marchands. Il ne faut pas croire, je l'aime ma mère. C'est ce que je lui ai dit. Je t'aime maman, ne l'oublie pas. Mais il arrive un jour où l'on doit quitter ses parents et brûler tous ses maîtres. Pour sortir de l'enfance, vendre sa mère est indispensable. Elle ne m'encombrait pas. C'est plutôt une question de mesure ou d'équilibre. Je ne suis pas le seul à défendre ce point de vue. D'autres garderont leur vieux auprès d'eux, réduisant peu à peu leur espace, les poussant vers le lit de plus en plus tôt. Certains les aimeront peut-être encore assez pour leur laisser un coin, quelque part, là, en attendant. Je ne veux pas de ces histoires chez moi. Ma mère est aimante et très active. C'est ce souvenir que je garderai d'elle. Pour dissimuler mon trouble, je m'étais montrée coupant. J'envisage de te vendre. Sous le choc, elle s'était hébétée. J'y pense de plus en plus. J'ai presque 25 ans, tu sais. Aucune femme n'acceptera de vivre avec moi dans de telles conditions. Je lui avais proposé la fin de l'été. Elle n'avait pas voulu. Attendre, c'est pire que devoir arriver, m'avait-elle dit. Nous étions convenus d'une date, comme s'il y avait une urgence, et si je l'avais écoutée, elle serait partie sur l'heure. J'ai protesté sans vigueur, prenant le temps de nous y préparer. Je ne crois pas que ce soit possible. La haine avait surgi dans ses yeux, mais de manière si fulgurante que j'ai pu me tranquilliser après coup. Tu t'es trompée. Elle est partie vers 15 heures. On ne peut pas dire qu'on se la soit arrachée. J'ai hésité sur la meilleure manière de l'installer. Même en l'asseyant de profil, elle tournerait toujours le dos à des clients potentiels. J'ai regretté, brièvement, de ne pouvoir la faire pivoter sur elle-même comme ces objets chics dans les devantures de luxe. Je l'ai cédée pour un prix raisonnable. Force m'est de l'avouer, j'ai dû marchander. Je ne m'en serais pas cru capable. J'ai pensé à tous ces jours où elle était là, mais que j'ai passé loin d'elle. Aux corps qui prédisent leur propre fin dans un relâchement. À la ferveur avec laquelle on espère pouvoir échapper aux départs inévitables. La nuit, je me réveille parfois. Quand je me lève, je vois ma gueule dans le miroir. Et là, l'eau froide à plein régime, je pleure, sans pouvoir redresser la tête. Par moments, il me semble entendre son pas laborieux sur le gravier et le bruit que ferait sa valise si elle la posait. Chaque fois, je cours ouvrir la porte. Mais il n'y a personne dehors. Rien d'autre que le désespoir tranquille des roses.